Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul action et noces des vacances. Donc je suis dans la Dombe, donc je suis allée à Noz à Port-en-Bresse. Donc là je suis sur la terrasse, il y a du soleil, bon a priori ça va pas durer, mais bon. Voilà, donc j'ai trouvé pas mal de trucs, il y a eu un arrivage 6X apparemment, j'ai été très surprise. Donc je voulais pas attendre pour vous le montrer. D'ailleurs il faut que j'inverse le sens des vidéos pour que vous les ayez rapidement. Donc je vous montre un peu tout. Donc j'ai trouvé ces perforatrices. Donc ça c'est une marque que je ne connais pas, c'est Fendi. Donc c'est des perforatrices magnétiques. Ça faisait un moment que je voulais tester ce genre de système. Donc je ne sais pas si vous connaissez, la perforatrice c'est donc en deux morceaux, ce qui vous permet de la mettre où vous voulez sur votre page. Donc les perfos sont à 3,50. Bon, ça c'est pas donné, mais en même temps c'est des magnétiques. Donc voilà. Alors, je pense que vous allez avoir un peu le mal de mer parce que voilà. J'ai trouvé, je vais arrêter de dire j'ai trouvé parce que je dis tout le temps ça, des anneaux en spirale donc, pour faire ses petits carnets soi-même, donc couleur rose, je sais pas combien il y en a, mais alors ridiculement ridicule, 99 centimes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quelques pochoirs Birchbox, pas des tonnes, hein. Hop. Et donc Dutch to Badou, ça c'est sur le thème naissance, des petits chipboards apparemment, donc à 50 centimes. Des pochoirs, je sais même pas ce qu'il y a écrit, mais on s'intéressera à ça à la maison, à 50 centimes, voilà. Donc j'ai vu des vidéos, pas des américaines, mais des Pays-Bas, où elles font des choses vraiment sympas avec ce genre de pochoir. Moi je suis pas très douée au découpage, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc j'en ai pris quelques modèles. Il y avait également ces embellissements bois chiffre romain. Tac, super sympa. Pour faire des boîtes. Après, l'inconvénient par rapport à un dive, c'est que faut découper à la main, quoi. Mais bon, 50 centimes, n'allez pas faire les difficiles, hein, n'est-ce pas? Et celui-ci qui est très sympathique, donc c'est Prompti. Hop. Donc ça c'est la Dutch to Badou et Prompti, c'est les marques que je vends chez Keepers. Donc pas la peine de vous dire qu'à 50 centimes, je suis très contente de les prendre. Hop. Vous avez également celui-là pour faire une petite maison, je pense que ça va être très sympathique. Ensuite, dans la série Gorgeous, parce qu'il y avait aussi un arrivage Gorgeous, donc j'ai trouvé... Alors la boîte est aussi belle que les petites cages à oiseaux, sont donc des embellissements métal, donc ça c'est la marque Rayer. Voilà, j'ai trouvé également donc ça, hop, ce petit kit d'album, hop là, tombe, donc ça c'est à 99 centimes. Il y avait des tampons transparents. Alors, je ne sais pas si j'en ai besoin, non, sûrement pas, mais avec un alphabet. Donc, les tampons, c'était à 99 centimes. Et il y avait aussi ceux sur Paris, avec les monuments. Mais franchement, celui-là, je ne l'avais jamais trop vu. Donc, bon, évidemment, la Tour Eiffel, mais Montmartre, en tampon, je ne l'avais pas. Donc, à ce prix-là, je ne s'en prive pas. Il y en avait un seul, donc bien évidemment je l'ai pris, mais c'est que le bloc en 15-15. Donc, Gorgeous. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, parce que je n'ai pas scrappé de la semaine. J'étais en vacances, Voilà, bon, j'ai quand même fait des achats, mais voilà. Donc le bloc, il était à 2,99. Ensuite,
J'ai trouvé alors, ces petits post-it que je ne me servirai probablement pas comme post-it mais comme petit embellissement sur le thème des vacances à 79 centimes d'Offcraft. Je pense que dans ce noz, il y a eu vraiment beaucoup d'arrivages et que je ne suis pas arrivée le bonjour et que c'était déjà parti. Donc 79 centimes, les deux dice. J'ai trouvé cette jolie petite maison. Donc apparemment, c'est une boîte à mouchoirs pour les mouchoirs carrés. C'est très beau. À 79 centimes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de la poupée ? Ah oui, très joli ruban pompon uni, qui est vraiment uni, superbe. Donc ça, c'était 3 euros moins 60%, 35, ça faisait 1 euro 20. Voilà. Ensuite, on arrive, on en a encore. Il y avait toujours de la marque Rayer, des planches de tampons vintage. J'en ai trouvé qu'une seule, 1,99. Voilà. Apparemment, ça aussi, c'est un tampon transparent à 99 centimes. Donc avec des poids, on s'en sort tout le temps. Et enfin, les deux pièces sublimes, je suis trop contente d'avoir trouvé. Donc, de la marque 6X. Donc, le dice pour faire les trois fleurs. Donc, à 3,99. Franchement, superbe. Une fleur en 3D. Bon, il va falloir se poser la question de savoir comment ça fonctionne. Et la dernière pièce que j'avais présentée, je crois, c'est également un dice 6X. Car il y en a d'autres. C'est un combi avec le tampon. Un dice tampon. Donc celui-là était un peu plus cher. Il était à 5,50 €. Vous avez le modèle de ce qu'ils en ont fait. Et je trouve franchement super sympa. Puis c'est 6X et puis je l'ai pas. Et puis pas besoin d'excuses. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai pris également des pompons en orange. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré, mes petits achats. Oh. Hop là, ça bouge. Hein. Mes petits achats, je suis passée à Action, mais là je vois que je ne les ai pas là, donc je vais pas. J'ai trouvé une boîte de crayons de couleur aquarellable à 2,24 €. Il y en a 24 avec un pinceau à réservoir d'eau, pardon. Donc ça, c'était à Action. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Action? Bon, à Noz, j'ai pris, mais je ne l'ai pas, c'est ma fille qui l'a déjà récupéré. J'avais pris une grande boîte, vous savez, comme les boîtes de passe-temps. Là, on a eu les crayons de couleur aquarellables, des grosses, grosses boîtes. Donc ça, ça coûtait 9,99 €. Je pensais qu'il y avait 68 crayons à l'intérieur. Alors, il y a 68 crayons à l'intérieur. Mais attention, il y a 12 crayons métallisés, 12 crayons de couleur tout simple, 12 crayons aquarellables, 12 crayons de papier. Là, je vous dis 12, mais je ne sais pas combien c'est en fait. Enfin bref, il y a crayons de papier, il y a des fusains. C'est une boîte assez complète, mais ce n'est pas que des crayons de couleur aquarellables. La boîte est en métal noir et elle était à 9,99 €. Moi, clairement, je me suis pour moi un peu fait avoir. Enfin, c'était écrit dessus, hein, mais j'ai pas fait attention. Donc,
Ouais, c'était moins intéressant que ce que je voulais. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà acheté ces grosses boîtes de crayons aquarellables, mais c'est mes enfants qui les ont récupérées. Donc, moi, j'en ai toujours pas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque je vous la mettrai demain matin, je pense. Puisque là, ma vidéo est déjà sortie ce matin. Oui. Donc, je vous la mettrai demain matin. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. De retour à la maison. Voilà, voilà. Des bisous. Bye bye.